Mélangez la pulpe de grenade avec la barbe de maïs. Je vous garantis que vous serez très surpris des résultats. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes vos notifications, cling, clon, cling, 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 afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Les pelures ou écorces de grenade sont un puissant antioxydant qui élimine l'oxydation du cholestérol. Les écorces de grenade sont riches en vitamine C grâce à un régime alimentaire sain et une infusion d'écorce de grenade consommée quotidiennement. Vous pouvez améliorer votre système immunitaire. Les pelures de grenade sont utilisées pour traiter de nombreuses affections telles que les infections de tout type, les saignements nasaux, les ulcères intestinaux, buccaux, l'excès de cholestérol sanguin, la fièvre et bien plus encore. Elles contribuent à lutter contre les maladies cardiaques. Les pelures de grenade sont riches en antioxydants, extrêmement efficaces pour éliminer l'oxydation du mauvais cholestérol. Car il est important de pouvoir contrôler le taux de cholestérol sanguin. Sinon, cela finira par perturber votre système cardiovasculaire, ce qui vous rendra vulnérable à la plupart des maladies cardiaques. La pulpe de grenade est riche en vitamine C. La vitamine C est essentielle à un régime alimentaire sain. Les pelures de grenade contiennent relativement plus de vitamine C que les comprimés vitaminiques. Elles s'avèrent donc être d'excellents compléments alimentaires, 100% naturels et sans aucun effet secondaire, comme vous l'aurez avec certains médicaments. Elle assure l'équilibre du système digestif. Faire une infusion de pelure de grenade aide à détruire les cellules pathogènes qui peuvent causer des ravages au sein de votre système gastro-intestinal. C'est le traitement naturel parfait contre de multiples maladies du tube digestif et leurs symptômes tels que la diarrhée, la constipation, la salmoëlle, les ulcères et de multiples formes de colite. Vous connaissez la barbe de maïs, n'est-ce pas? Ceci est notre deuxième ingrédient. La plante que tout le monde connaît, je n'en doute pas. Si vous êtes déjà passé à proximité d'un champ de maïs, au moment où la plante porte les épis, vous avez probablement remarqué des sortes de poils qui dépassent tout au bout de l'épi. Ce sont les styles des fleurs, c'est-à-dire la partie allongée du pistil entre l'ovaire et les stigmates. Ce sont ces styles que l'on ramasse et que l'on fait sécher. Une fois secs, ils sont de couleur marron, comme vous voyez dans cette vidéo. Je vous conseille, entre parenthèses, de les acheter de qualité bio si vous n'avez pas la chance d'être en Afrique et de pouvoir le récolter vous-même. Afin d'éviter les pesticides dans votre remède. Cela va peut-être vous surprendre, mais ces simples poils appelés barbe de maïs ont des propriétés assez intéressantes. Je vous donne-en quelques de ces multiples bienfaits. Lorsqu'on la prépare en décoction, elle libère des mucilages qui sont adoucissants. Elle est anti-inflammatoire, c'est-à-dire si vous avez des douleurs dans l'organisme, des douleurs au genou, au dos. Ceci permet de calmer ces douleurs et de pallier à ce problème. La barbe de maïs est diurétique pour ceux qui ont les jambes enflées, pour ceux qui ont des problèmes à pouvoir éliminer l'excès d'eau dans le corps. Ses propriétés diurétiques en font une grande classique pour combattre les problèmes urinaires. Imaginez un système urinaire enflammé, peut-être à cause d'une cystite ou du passage de petits calculs. La barbe de maïs va stimuler une production plus abondante d'urine, ce qui va donc balayer la zone avec plus de liquide et va permettre d'éliminer toute toxine et saleté. La barbe de maïs vous aidera à purifier vos reins, à purifier vos organes, à purifier le sang et bien plus encore. Comme ingrédient, nous aurons besoin de la pulpe de grenade qui est en lui-même un remède puissant incontournable.
Associez à ça la barbe de maïs, vous allez obtenir un remède très puissant pour combattre plusieurs problèmes de santé dont vous pouvez souffrir, que ce soit les tumeurs, la constipation, le diabète, l'excès de cholestérol sanguin, les problèmes de tension, les problèmes de fatigue générale, les problèmes de vision. Bref, vous allez consommer et vous allez découvrir le résultat par vous-même. Passons directement à la préparation. Prenez une toute petite quantité de barbe de maïs. Prenez également une toute petite quantité de pulpe de grenade. Pour un grand verre d'eau. Mettez tout ceci dans une petite casserole, portez à ébullition. Laissez bouillir le mélange environ 5 à 10 minutes. Ensuite, éteignez le feu et laissez encore infuser 5 à 10 minutes. Ensuite, vous tamisez et le mélange est prêt. Je vous conseille, si vous avez du pur miel d'abeille, parce que ceci a un goût un peu fort. Si vous avez du pur miel d'abeille 100% naturel, je dis vraiment du pur naturel, rajoutez une toute petite quantité. L'association du miel vous permettra également d'augmenter encore les propriétés de votre puissant remède. Alors, pour ce qui est du mode de consommation, consommez à volonté. Ça, c'est un remède qui n'a pas de contre-indication. Si vous voulez avoir les résultats très rapidement, consommez ceci sans vous fatiguer. Vous pouvez faire de grandes quantités. Et à chaque fois, vous réchauffez, vous rajoutez un peu de miel et vous consommez à longueur de journée jusqu'à obtenir les résultats souhaités. Pour ceux qui peuvent avoir besoin du pur miel d'abeille 100% naturel provenant tout droit des forêts d'Afrique, il est disponible au plus 90 531 824 32 05. Je vais répéter le numéro de téléphone. Ce numéro est également disponible sur WhatsApp. C'est le plus 90 531 824 32 05. Ce pur miel d'abeille, c'est vraiment du pur remède qui vient tout droit des forêts d'Afrique. Et l'expédition se fait partout dans le monde entier. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, les proches dans vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Mouah. Bisous, bye bye.